Yes! Ça y est, de retour. Comment ça va, les amis? Je parle doucement parce qu'on est en pleine journée et la journée, il y en a qui dorment. Il y en a qui dorment, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, il faut faire doucement. Voilà, maintenant, on n'a plus le droit de rien faire. Bientôt, on n'aura même plus le droit de respirer. Bon, comment vous allez bien? Bienvenue pour ce nouveau Flash Info, le numéro 22. Deux, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Voilà. Comment vous allez bien, tout le monde? J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis, comme d'habitude, très heureux de vous retrouver. Voilà. Donc, Flash Info numéro 22, c'est la rentrée des classes, la rentrée scolaire. Pas encore. Encore quelques semaines. Deux, si le compte est bon. Comme dirait, comment il s'appelait déjà? Gilbert Bécombe. Non, ce n'était pas Gilbert Bécombe, c'était. Oh, je ne sais plus. Comment il s'appelait? Il est peut-être encore vivant, mais je ne sais même pas. C'était. Ah oui, mais non, mais si, il est bien vivant d'ailleurs. Je l'ai vu l'autre fois à la télé. Je ne sais plus son prénom. Bécombe, c'était ça? Enfin bref, vous me direz en commentaire, ça sera mieux comme ça, d'accord? Donc bienvenue pour ce nouveau Flash Info, le numéro 22, sur la rentrée scolaire. Voilà, on n'y est pas encore, mais on va voir un peu ce qui va se passer, même si on a un peu des échos de tout ce qui se passe. Il prépare, j'ai entendu le président qui disait, il est en train de préparer, il est en train de préparer le terrain. Ouh là 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 là, ça c'est chaud patate. Ou peut-être pas. Pour l'instant, notre ministre, Gabriel. Nanana. Mourir d'amour enchaîné, comme disait Johnny. Gabriel, le nouveau ministre du logement. Non, le nouveau ministre de l'éducation nationale. Voilà. Ben, on est content avec ça, d'accord? Oh, mes petites fiches, elles sont parties. Du coup, c'est tout à l'envers. Bref. Allez, donc il fait chaud patate, vous avez vu, j'ai mis le chapeau, hein, mais il fait chaud. J'aurais pu mettre les lunettes de soleil, j'ai posé, mais parce qu'ici, même dedans, il y a le soleil. Alors, il y a le soleil dedans, dehors, partout. En tout cas, faites attention, restez à couvert, restez groupir, parce qu'il fait chaud, il va faire encore chaud. Je vous l'avais dit, hein. Alors on m'avait dit début août, on m'avait dit, oh, bientôt le 15 août, à partir du 15 août, de toute façon, c'est terminé, la chaleur. Après, on va mettre les anoraks, le blouson. Et on va ranger les shorts, les maillots de bain. Et moi, je vous avais dit, non, 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 le mois d'août, ça va être corsé. Ça va être corsé. Je salue tous mes amis corses et notre ministre de l'Éducation nationale aussi. Puisqu'il est corse, bien entendu. Voilà. Il faut aller. Non, je ne vais pas le dire. Je le dis à chaque fois, mais là, je ne vais pas la faire. En Corse, on dit pas trop vite le matin et un peu plus vite l'après-midi. Voilà, on est bien en Corse, sur la plage de Palombaggia ou à Porto Vecchio. Ou à... Bon, il y en a plein, des plages là-bas, de toute façon, tout est beau. Voilà. Allez, du coup, je ne sais plus ce que je disais, parce que je pars un peu à gauche, à droite. Je disais que bientôt la rentrée scolaire, voilà, puis on va faire des tirages avec des nouveaux oracles pour vous. Vous avez vu encore des nouveaux, hein? 3, 4, encore 5 nouveaux oracles. Eh bien, nous, vous avez de la chance, hein? Bon, les autres, ils m'en ont pris un peu, hein, donc voilà, j'ai pas eu le temps de refaire le stock, comme dirait le ministre de la... de je sais pas quoi. Bon, bref. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Ah bon, j'ai toujours quelque chose à vous dire, et je voulais vous dire la rentrée scolaire, voilà. Bonjour aux Corses, ça je l'ai dit, bonjour à tout le monde, hein, il fait chaud, restez chez vous, ou allez vous baigner, voilà. Le président prépare la rentrée. Ok, alors est-ce que ça va être chaud patate ou pas la rentrée scolaire? Eh bien, nous allons voir ça après avec des tirages. Voilà. J'ai marqué quoi? J'ai marqué rentrée scolaire. Voilà. On verra. Donc, 2 semaines. Voilà. Après, ça sera, oui, la rentrée scolaire, début septembre. Je sais plus combien exactement. Et après, ça sera les vacances pour les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les arrière-arrière-grands-parents, les arrière-arrière-arrière-grands-parents. Voilà, ça sera les vacances pour tout le monde, enfin, sauf pour les enfants. Surtout pour les parents. Voilà. Allez, donc, ça, je vous l'ai dit. Oui, alors, pensée positive, comme d'habitude. Alors, vous prenez ce que vous voulez à boire. Moi, j'ai pris une petite citronnade. Voilà, une petite citronnade. Ça, c'est du...
Du sirop, comment j'ai mis un peu de sirop dedans, c'était comment déjà? Oh ben, je trouve pas les mots encore aujourd'hui, c'est pas possible. Du sirop de, oh ben je sais plus, à la menthe, il y a plein de choses dedans, c'est très bon. Donc n'hésitez pas à boire, hein, à boire quand il fait chaud, c'est important. Je vous le répète, j'avais préparé, hein, vous avez vu, le petit charbon de bois là, charbon actif. Vous mettez ça dans le pichet, dans le, comment on appelle ça? Un pichet, on appelle ça un pot, hein, le pot d'eau, le pichet d'eau, le, vous me direz en commentaire aussi si vous voulez. Vous mettez ça dedans et après vous laissez quelques heures la nuit et, ou le matin pour l'après-midi ou l'après-midi pour la nuit ou la nuit pour le matin ou le matin pour l'après-midi. Voilà. Et du coup, ça purifie l'eau, je vous en ai déjà parlé, mais je vous le redis là. Parce que quand on tire l'eau du robinet, elle est un peu chaude. Alors, faut lieu de les, bon, faut laisser un peu couler l'eau, mais on peut pas la laisser, on peut pas la laisser couler 1 heure non plus. Donc, on met ces petits charbons actifs et après c'est purifié. Donc, c'est très bon. Faites-le, faites-le. Je vous conseille. Vous achetez ça au bio. Je vous en ai déjà parlé. Regardez mes anciennes vidéos. Pour ceux qui ne les ont pas vues, vous êtes peu à ne pas les avoir vues, mais ceux qui n'ont pas vu, allez les voir. Voilà. Et c'est donc Jean-Pierre Descombes. Voilà, Jean-Pierre Descombes, vous vous rappelez? Celui qui fallait dire ben, ni oui ni non, en fait. Comment ça va? Bien. Et toi? Moi, je vais bien. Et pourquoi tu as fait ça? Parce que je ne voulais pas. Et pourquoi si? Oh non. Et voilà, et tu as perdu. Jean-Pierre Descombes, le fabuleux. Voilà. Il a la maladie de Parkinson, je crois, si je ne veux pas dire de bêtises. Ou une maladie comme ça, on lui souhaite beaucoup d'ondes positives. Voilà, c'est un peu notre enfance à nous, hein, tout ça. Voilà, à beaucoup. Voilà, les choses, je les ai remises dans l'ordre, comme disait je ne sais pas qui. Alors, ah oui, il faut avancer, faut avancer. Alors, comme il faut avancer, pensée positive, PPA, même si chaud patate, même si c'est chaud patate. D'ailleurs, j'ai enlevé mon chapeau parce que là, c'est plus que chaud patate. Je vais le garder pour après. Je remettrai à la fin quand je vais faire la danse. Voilà, je me recoiffe parce que j'étais pas trop bien coiffé. Voilà, impeccable. Hein? Alors, on est bien là. Hop, il est où mon. Alors, attendez, je m'en prépare. De toute façon, on attend. On est toute l'après-midi, la nuit ou tout un gros moment ensemble. Donc, on attend. Donc, PPA, pensée positive du jour. Toujours pensée positive, pensée positive. Plus de négatif. On en a assez, on n'a plus envie. Donc, pensée positive maintenant. Il n'y en a qu'une aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de Pascal Pout. Ah, Pascal Pout, mon copain. Ah, vous saviez pas que c'était mon copain? Non, c'est pas trop mon copain, mais si, par les pensées, c'est mon copain. Par ce qu'il fait aussi, c'est mon copain. Il fait quoi? Pascal Pout, d'abord, il habite où? Il habite dans l'Hérault, pas très loin d'ici, dans l'Hérault. Vous savez, dans le 34, où il fait, boah, il fait cagnard en ce moment. Il fait cagnard, il fait chaud là-bas aussi. Et du coup, Pascal Pout, eh bien, il a. Ça fait des années qu'il fait ça, qu'il fait le potager de santé. Si vous ne connaissez pas, ben je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et ceux qui connaissent, eh bien, ils le connaissent bien parce il fait toutes sortes de fruits, de légumes. Et en fait, pour résumer, voilà, en fait, maintenant, il fait surtout des semences. Voilà, il vend ses semences. Alors, ces semences, qu'est-ce qu'elles ont en particulier? Qu'est-ce qu'elles ont particulière, ces semences? Eh bien, en fait, elle pousse pratiquement sans eau dans des endroits très arides, sur les rochers et tout ça. Allez voir, vous tapez Pascal Pout, hein, pas Pascal Prout, Pascal Pout sur Internet et vous verrez, vous tomberez sûrement sur une de ses vidéos et il montre un peu son potager, tout ça. Mais allez voir, parce que je rigole, tout ça, mais vraiment, c'est très, très intéressant. Et en fait, lui, qu'est-ce qui. Lui, sa façon, sa vision des choses, c'est quoi? C'est en fait, plus on traite les légumes et les fruits, plus l'homme a mainmise sur tout ça, quoi, avec des pesticides, de l'engrais ou ce que vous voulez, et ben plus ça modifie un peu la nature. Et moi, j'aime bien cette façon de penser-là, parce que, eh bien, faut pas trop que l'homme ait mainmise sur les légumes et les fruits. Oui, c'est ce qu'il a constaté depuis des années. Alors, ça fait des décennies qu'il fait ça. Alors, au début, ce qu'il disait, allez voir, mais au début, ce qu'il disait, c'est qu'en fait, il plantait comme ça, sans trop d'eau, voilà, sans rien. Et ça poussait pas, il avait beaucoup de pertes. Et avec les années passant, les années passantes, ou passant, comment on dit, les années qui passent, eh bien, les légumes, les fruits se sont renforcés par eux-mêmes. Et donc, voilà,
sans intervention de l'homme, eh bien, les légumes sont plus résistants. Et moi, j'aime bien cette façon-là de penser, j'aime bien cette façon de faire, parce que c'est important. C'est comme là, il fait très chaud. C'est sûr, c'est simple. On a tous la clim chez soi, on allume la clim et on est bien. Par contre, le jour où la clim ne fonctionne plus, si on s'habitue à ça, le corps va avoir beaucoup plus de mal à résister. Vous comprenez, les légumes, c'est pareil. Donc, faut pas trop mettre la clim, faut pas trop faire ci, pas trop faire ça. Il faut laisser le corps aller lutter un peu par lui-même. Vous comprenez? Eh ben, les légumes, les fruits, c'est pareil. On les laisse un peu galérer. C'est dur à dire. De toute façon, on laisse tout le monde galérer maintenant. Mais les fruits et les légumes, c'est important parce qu'ils deviennent plus résistants et avec peu d'eau, eh bien, ça fait des super légumes, des super semences. Et en plus, vu les chaleurs et vu qu'on peut pas trop arroser à tout va. Maintenant, il faut penser à la planète aussi. Eh bien, c'est une bonne initiative. Allez voir, c'est Pascal Pout, le potager de santé. Allez voir vraiment dans l'Hérault. Je lui fais un petit coucou. Je le connais. Donc, je lui fais un petit coucou. Voilà. Sacré Fred des Lacs, va. Ouais, je commence à connaître du monde hein, dans le coin, hein, en France et ailleurs aussi. Voilà. Donc, allez le voir parce que vraiment, et vous, on peut. Alors oui, dernière chose, j'allais oublier, très, très importante. On peut acheter hein, ces semences. Il fait surtout des tomates, toutes sortes de tomates. Et du coup, nous, les particuliers, ceux qui ont un jardin ou comment? J'avais pas trouvé le mot. Des petites cagettes, vous savez, des petites cagettes sur le balcon. Avec de la terre, eh bien vous pouvez planter ces semences-là et vous verrez que ça fait des super tomates. Vraiment, essayez, achetez-lui. Après, il en a beaucoup en rupture de stock, c'est normal, parce que ça fonctionne très bien. Voilà. Comme nous, hein, comme nous. Il faut s'habituer à la chaleur, il faut s'habituer à l'environnement dans lequel on vit. Sinon, si on met trop de choses extérieures, après, notre corps est un peu déstabilisé. Voilà. Jardinière. Jardinière de balcon, voilà, pour jardiner, voilà, ok, allez, hop, c'est ce que j'ai dit, ça, c'est déjà dit, voilà, ça c'était le premier, un bon signe, bon ben voilà, j'ai tout dit, allez, merci bien, je vous souhaite un joyeux Noël et, et à bientôt, non, c'est pas fini, je rigole, je rigole, attendez, je mets un peu de schmilblick là pour... calmer l'atmosphère. Un petit coup de citronnade. Menthe. C'est comment le cocktail? Ce cocktail-là que tout le monde boit avec de la menthe et du citron. Sans alcool, hein, bien sûr, parce que la fête est plus folle. Ou à boire avec modération pour ceux qui aiment bien ça. Le mojito. Ah, si. Buenas días. Buenas noches. Voilà, du mojito. Eh ben, c'est très bon. Essayez en sirop aussi. Vous n'en mettez pas beaucoup parce que c'est sucré. Mais un petit peu, ça donne un petit goût. Voilà, et ça fait du bien. By Tesser. Vous avez vu la descente? By Tesser. Tesser, s'ils veulent me sponsoriser, ils peuvent. Voilà. Allez, on y va. Là. On va se mettre un petit coup de ventilo parce qu'il fait chaud. Voilà, merci pour le cadeau. Hein. Hop. Voilà, attendez 2 secondes, on n'est pas pressé. Oh, Gabriel, alors il nous prépare une rentrée, le Corse. Alors, le Corse, j'espère que tu vas nous faire une belle rentrée scolaire et que tu vas t'occuper gentiment des enfants. Hein. S'il te plaît, Gabriel, sois aussi bon que tes prédécesseurs, c'est comme ça qu'on dit, sois même meilleur et j'espère qu'il va bien s'occuper de nos enfants dans toutes les écoles. Eh oui, hein. C'était quoi la chanson de Johnny Gabriel? Oui. Mourir d'amour enchaîné. Bon, j'espère pas, hein. Voilà. Donc, Gabriel. Ah, bah d'ailleurs, il s'arrête, mon truc. Oh, ben, voilà, terminus, fin du bal. Ça doit être un signe. Regardez. Il marche. Fin du bal. C'est pas bon signe. J'ai pas encore touché une carte, mais c'est déjà pas bon signe. Vous avez vu les signes ici? Alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, s'il s'arrête, terminus, eh ben, ça présage, c'est pas un bon présage. Donc, la rentrée scolaire, on y va? Allez, je voulais prendre ces deux oracles-là, ces deux nouveaux oracles. Le Uno et le jeu des 7 familles. Voilà, c'est les deux nouveaux. C'est des vrais, hein? C'est un vrai Uno et un vrai jeu de 7 familles. Mais en fait, c'est juste pour vous dire.
Je peux pas faire n'importe quoi non plus. Et c'est pour dire à tout le monde, ne faites pas n'importe quoi, parce que je vois plein de choses sur Internet. La voyance, la médiumnité, tout ça, c'est tout sauf un jeu, méfiez-vous. On peut, quand on veut jouer, on prend le Uno, c'est très bien. On prend le jeu de cette famille avec les enfants, c'est très bien. Mais on ne joue pas avec les autres cartes. Voilà, ça c'est un message que je passe à tout le monde. Souvent, en plus, les consultants, vous êtes dans la galère et je vois des choses terribles. Je vois des choses terribles. Des médiums, des voyants, voyantes, médium, au féminin, qui racontent des choses incroyables aux personnes. Alors, je sais bien qu'il faut pas raconter n'importe quoi, mais un médium, un voyant est là quand même pour donner de la positivité, être positif. D'accord? Le médium n'est pas là pour dire vous allez mourir demain. Le voyant n'est pas là pour dire vous allez avoir un grave accident, vous allez être en fauteuil roulant toute votre vie. Vous comprenez des choses négatives comme ça? Arrêtez de voir ces gens-là, moi je vous conseille. Nous, on est là pour vous conseiller sur votre chemin de vie, il est vrai. D'accord? On ne joue pas avec les oracles et médiumnité, c'est un peu. C'est moins facile de jouer avec la médiumnité parce que vous savez tout de suite de là-haut un peu les messages s'ils sont vrais ou pas. Voilà, je voulais vraiment dire un mot là-dessus parce que tout ce que je vois, il y en a de plus en plus des petits jeunes, des petites jeunes qui font ça pour le plaisir. Ils tirent les cartes, elles tirent les cartes. Alors, je ne sais pas comment elles font aussi. Elles prennent un oracle comme ça et elles font comme ça et elles voient une vitesse. Alors, elles doivent changer d'oracle tous les jours, je pense, parce qu'elles voient une vitesse. Alors ça, je voulais aussi, hop là, je voulais aussi dire un mot là-dessus. Il n'y a pas besoin de faire ça. Il faut être concentré ou centré un peu con, concentré. Et il n'y a pas besoin d'aller vite. Il faut faire ça avec concentration. Il faut se connecter avec là-haut d'abord. Moi, c'est ma façon de faire. Je dis quoi? Je dis merci les anges et les guides de protéger le tirage, de me protéger moi et de répondre aux questions. Je le fais à chaque fois. Et après, pour un tirage. Il ne faut pas faire 10 000 fois la carte comme ça. Je les vois tous faire. Après, chacun fait comme il veut, mais ça sert à rien. Écoutez-moi. Vous faites 1, 2, 3 et ça suffit. Allez encore, peut-être 1, 2, 3, 4 et ça suffit. Il n'y a pas besoin de mélanger 10 000 fois. D'accord? Allez, on y va. Merci les anges et les guides de protéger le tirage, de me protéger moi et de répondre à vos questions. Vous avez vu, celui-là, il est beau le vert. Hein? Ah, vous avez vu les nouveaux oracles? Je vous les avais déjà présentés. Voilà, il y en a 5 nouveaux. Allez, on y va. Alors, au Gabriel. Bon, j'aurais pu apprendre la chanson de Gabriel de Johnny. Hein? Pas que Johnny, ouais. Mais oui. Allez, voilà. Allez, on va faire comme d'habitude. Et ben, on va faire, comme il y a 5 oracles, on va faire une carte de chaque. Comment je vais faire ça? Attendez, je n'ai pas réfléchi encore. Bon, on va déjà poser la question. Ça marche toujours pas si un peu. On va déjà poser la question, comment ça va se passer la rentrée scolaire? Ça vous dit, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, Fred, dis-nous un peu ce que tu vois pour la rentrée scolaire. On a peur, on n'est pas bien pour nos enfants. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore? Oui, c'est vrai. C'est vrai, qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore? Surtout que c'est. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire en Corse? Encore. Les Corses. Non, il faut être positif, d'accord? Soyez positif, on va voir les anges et les guides ce qu'ils nous disent. Allez, ben je vais tirer une carte de chaque. Voilà, une là. Les tables, elles ne sont pas assez grandes. Il faudrait qu'ils agrandissent les tables, je pense. Il faudrait qu'ils agrandissent les tables. On va faire comme ça. Hop. On va faire une carte de chaque. Voilà, comme ça, on va voir le message. Un premier message général. Ça vous dit de faire ça avec 5 oracles. Hop, oui, il fait chaud, hein. Il fait chaud la patate. Voilà. Hop, une carte là. Et de 3. Hop. Et de 4. Voilà, une carte. Alors, rentrée scolaire des enfants. Fred, du lac, 73, médium. Voyant, médium, là il prend les cartes, donc c'est un voyant, mais il est médium, donc il reçoit des messages déjà là-haut. Et déjà, vous avez vu le schmilblick qui ne marche pas, déjà un signe, ça veut dire quoi? Le ventilo, il ne marche pas. Donc il va faire un peu comme maintenant, ça va être un peu chaud la rentrée. La rentrée va être un peu chaude. Ah, la rentrée va être un peu chaude. Ouh, il prépare. Notre président a dit, il est en train de tout préparer avec son copain Gabriel. Voilà, donc nous allons voir. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? On y va? C'est parti. Première carte, je ne sais pas ce que c'est, la deuxième non plus parce que je n'ai pas vu. 5 oracles différents. Vous avez vu? Allez, je vous laisse un peu regarder les cartes. Regardez ça. En plus, vous avez de la chance, elles sont belles les cartes. Regardez ça. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? On commence par là.
par l'oracle à gauche ou à droite pour vous, et on défile, et interprétez par vous-même aussi. Vous avez le droit, essayez d'interpréter. Vous arrivez à interpréter, vous? Eh oui, vous pouvez, tout le monde peut interpréter les cartes, il faut laisser écouter son guide, écouter les anges. Après, c'est plus facile quand on est médium, et quand on est un bon voyant aussi, c'est un peu plus facile, mais tout le monde peut le faire. Avec de l'entraînement, vous deviendrez aussi bon Fred du Lac 73 médium. Avec beaucoup d'entraînement, hein. Voilà. Allez, oh, elle est à l'envers. Vous auriez pu me dire qu'elle était à l'envers. Vous avez vu déjà la première? C'est quoi? Vous avez vu, j'ai bien mélangé rentrée scolaire, on parle d'enfants. Ah, ça tombe bien, vous allez me dire. Ben oui, ça tombe bien, mais c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Donc les enfants, je la mets là, je la mets là. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Il y a le renard. Attention, le renard est malin. Non, le renard. Le renard est rusé. Ça veut dire qu'il y a des choses cachées en préparation sur la rentrée scolaire. Ah, ils l'ont. De toute façon, ce n'est pas caché puisqu'ils nous ont prévenus déjà. Le président a dit qu'ils étaient en train de voir. Avec. Ouh, j'aime pas cette carte. Regardez. C'est quoi? C'est le cercueil. Alors, c'est rusé, mais alors là, le cercueil, ce n'est pas des bonnes nouvelles, hein. Il marche toujours pas, mon ventilo. Si, un petit peu. On le met un peu plus fort. Ah, il remarche. Pas longtemps. Bon, pas longtemps, donc laisse tomber, c'est pas bon signe. Donc, le cercueil, ça montre qu'il ne prépare pas des bonnes choses. Il faut penser à nos enfants, nom de Zeus. Nom de Zeus, Marty! Allez, celle-ci, ça veut dire quoi? L'intuition. Ah, l'intuition. L'intuition que j'ai, l'intuition qu'on a tous. On a tous un peu cette intuition-là. Qu'est-ce qui nous prépare pour la rentrée? Et la dernière carte, c'est quoi? L'être aimé. Et oui, et d'ailleurs, on a commencé avec les enfants, on finit avec l'être aimé. Les enfants, l'être aimé, l'être aimé, les enfants. Vous avez vu les deux cartes, ça va bien ensemble. L'être aimé, les enfants, c'est nos petits êtres aimés, les enfants. Mais le problème, c'est ce qu'il y a au milieu, eh bien, c'est que ce n'est pas très bon signe. Ça veut dire que. Aïe, 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 il y a de la pression en cours. Il y a de la pression, il y a de la pression, mes amis. Il y a de la pression, là. Là, il y a de la pression et ce n'est pas bon. J'ai même pas envie de tirer d'autres cartes, pourtant il le faut. Il le faut. Donc, rentrée scolaire chaude patate, comme le temps en ce moment, ça va être chaud patate. Donc, ben, il faut positiver, on n'a pas le choix, il faut serrer les coudes et il faut surtout ouvrir les yeux. Voilà, ouvrir les yeux et regarder un peu ce qui se passe autour de vous avant la rentrée et au moment de la rentrée. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les changements? On écoute et on se laisse pas faire, on se serre les coudes. Souvent, souvent, ça se passe comme ça à l'heure actuelle. Juste une petite parenthèse. C'est un message de là-haut dont je vous le donne, peut-être de Johnny aussi, sûrement. Souvent, on se croit seul. On se croit tout seul. On se croit tout seul. On se dit, oh, l'école, ben, il n'y a que nous qui ouvrons les yeux, on ne voit pas. Mais en fait, celui d'à côté, il se dit pareil que vous. Et celui qui est encore à côté, il se dit pareil que vous. Donc, il suffit de quelquefois d'un petit mot, d'un petit quelque chose. Pour que s'unir les forces. C'est comme ça qu'on dit. L'union des forces. L'union fait la force. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à parler un peu à gauche et à droite. Vous verrez, vous n'êtes pas tout seul. C'est important. Je vous avais déjà fait passer le message qu'il faut faire des micro-sociétés dans la société. Hein. Toujours dans la bienveillance, mais en étant un petit groupe, un plus grand groupe dans la société, on arrive mieux à s'organiser pour un peu contrer les choses quand ça nous dérange. Voilà. D'accord? Allez, ok. Allez, comme je suis bien en forme, eh bien, on va faire un tirage complet donc, pour chaque oracle. C'est parti, on va faire 3, 4, 5 cartes pour chaque oracle. Allez, le message, la rentrée scolaire, qu'est-ce que ça dit? Allez, on commence avec, c'est quoi? Hop, avec le paon. Ah, le paon, c'est un bel animal avec plein de couleurs. Le paon, quand on lui dit il est beau, ben, il fait le beau. C'est un peu le cas de notre ministre. Il a le droit, hein. Il a le droit aussi, mais il faut faire attention. L'habit ne fait pas le moine. Je crois que c'est ça qu'on dit. L'habit ne fait pas le moine. Il faut se méfier, donc restez sur vos gardes, d'accord? Ceci dit, moi je l'aime bien. Hein. Voilà. À voir comment. Après, je l'aime pas pour son personnage. Moi, je l'aime pour ce qu'il fait, pour sa fonction. Moi, j'ai une fonction là. Je suis médium, voyant. Vous m'aimez aussi, bon, parce que je suis, parce que je suis un peu différent, mais vous aimez mon travail que je produis. Ma passion. Bah lui, c'est pareil. Lui, on doit l'aimer pour son travail et sa passion. Il est un peu là le problème aujourd'hui, non? Dans toutes les fonctions, est-ce qu'il y a les bonnes personnes
à tout. Bon, bref, je ne vais pas m'exposer encore plus parce que sinon, ce n'est pas la peine. Donc, le denier, voilà. Donc, on fait le beau, il y a de l'argent. Il n'y a pas trop d'argent, on fait le beau. L'argent est le nerf de la guerre. Voilà, j'ai trouvé le mot. L'argent est le nerf de la guerre, donc c'est pas bon signe. On va nous dire qu'il n'y a pas d'argent, qu'on n'a pas pu faire ci, on n'a pas pu faire là. Et donc, on fait avec les moyens du bord. Voilà. Ensuite, les alliances, c'est ce que je vous ai dit, ça ressort encore là. Eh bien, il va falloir serrer les coudes parce que c'est pas trop bon ce qui arrive. Hein. Avec, ah, si le chat caramel, tenez, le chat caramel, il est là, hop, il arrive. Eh bien, le chat, ça fait miaou, miaou. Eh bien, le chat, c'est quand même un être qui a beaucoup de sentiments. Le chat est beaucoup aimé et il aime beaucoup aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire que les enfants, c'est important. Voilà, donc il faut surveiller nos enfants. Encore un message. Et la dernière carte, c'est quoi? La tour. Attention, parce que la tour, ça montre de gros blocages dans un tirage d'oracle. Eh bien, c'est jamais bon signe, la tour. Ça montre qu'il va y avoir des blocages. Ah! Eh bien, voilà, on y arrive. Des blocages. Des blocages, ça va être chaud patate à la rentrée. Avec des blocages, vous m'avez demandé, moi je vous réponds. Enfin, c'est pas moi, moi je vous fais passer le message de l'eau. Donc, si jamais le message n'est pas bon, vous allez vous plaindre à la direction là-haut des anges et des guides. Alors, c'est l'archange Michael. Hein, c'est l'archange Michael. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas content de moi, vous allez vous plaindre à l'archange Michael. Voilà. Mais bon, moi je rigole. Vous avez vu, blocage à venir, sûrement, avec sûrement des arrêts maladie, de la pression, peut-être aussi, parce que quand il y a pression sur les enfants, il y a pression sur les parents, et il y a pression aussi sur les professeurs. Je salue tous les professeurs. Allez, message peut-être pour les professeurs, c'est quoi? Eh oui, hein. Alors attendez que je regarde. L'enfermement. Ah, vous avez vu, message pour les professeurs, enfermement. Ça montre qu'on enferme un peu. Non, je ne peux pas dire ça, mais. Ils sont souvent mis en cause, les professeurs. Et pourtant, ils n'ont pas trop le choix, enfermement. Ensuite, on a quoi? On a le miroir magique. Eh bien, oui, le miroir magique, c'est qu'il faut se regarder devant une glace. Il faut se regarder devant la glace. Et on est tous maîtres de nos actes et de nos décisions. Miroir magique. Après, nous avons quoi? Le temps. Attention, parce que plus le temps tourne et plus c'est pas facile de revenir en arrière. Donc il y a un état qui se fait dans le temps et pour revenir en arrière, c'est vraiment pas facile. Donc il faut vraiment agir. Parce que si vous laissez passer le temps, si on laisse tous passer du temps, après c'est très très pas facile de revenir en arrière. Il faut agir avant de vouloir revenir comme c'était avant. D'accord? Voilà. Correspondance et correspondance, ça veut dire qu'il faut. Eh bien, qu'il faut agir, il ne faut pas hésiter, il faut aller de l'avant et il faut prendre son crayon, il faut participer à ces micro-sociétés dans la société pour contrer un peu tout ça quand on n'est pas d'accord. Voilà, toujours dans la bienveillance, je parle toujours dans la bienveillance. Il n'y a pas de question de révolution ou autre. Là, c'est vraiment. On a le droit de dire nos idées quand même, non? Plus? Bon, d'accord. Bon, à vous de voir. En tout cas, naissance. La naissance montre qu'il va y avoir plus d'union. Vous avez vu, on a commencé par l'enfermement un peu des professeurs et tout ça, avec tout ce qu'on avait au milieu, et avec la naissance. Donc, il va y avoir plus. C'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit de là-haut. Donc, même s'il y a des choses qui dérivent un peu, à laquelle plusieurs, on n'est pas d'accord, eh bien, les professeurs vont se mettre un peu avec les parents. Voilà. Message de là-haut. Bon signe. Donc, ouf, impeccable. Bravo. Bravo, les messieurs, les professeurs. Monsieur professeur. Allez, donc, on a parlé des professeurs, la rentrée scolaire, ok. Tiens, et moi, j'ai envie de savoir, notre nouveau ministre, Gabriel, comment il sent, Gabriel? Pour l'instant, il est en vacances. Ce sont Jait Privat. Il est bien, les étoiles. Il est super bien, Gabriel. Je l'appelle toujours par son prénom. J'appelle tout le monde par les prénoms parce que pour moi, vous êtes tous des âmes bienveillantes, avec plus ou moins d'évolution, mais donc c'est une âme aussi. Et donc, il est bien, il est en forme. Il est en forme et ben, il profite des vacances, il a raison. Attention, monsieur Gabriel, s'il m'entend, la montagne est là. La montagne, c'est quoi? C'est qu'il y a encore des blocages qui arrivent. La montagne, à moi qui, après les vacances à la mer,
Il veut aller peut-être dans les montagnes corses, peut-être en vacances cet hiver. Mais dans le tirage, ça veut dire qu'il va avoir des blocages à la rentrée. Il va être sous pression. Ouh, il va être sous pression, le monsieur, d'accord? Avec la tour. Ouh, de grosses pressions. Vous avez vu la tour, regardez. Elle ressort. Monsieur Gabriel, le futur, non, le ministre de l'Éducation nationale. Avec la cigogne qui apporte toujours des bonnes nouvelles. Et de la cigogne, elle apporte les nouveau-nés, vous savez, devant les portes. Voilà, attention, de nouvelles choses arrivent. De nouvelles choses arrivent. Alors j'ai chaud, hein. De nouvelles choses arrivent. Et on va pas être trop d'accord. Beaucoup de blocages parce que un nouveau système un peu caché. Vous avez vu comme on avait au départ. Voilà. Et la dernière carte, c'est quoi? Je ne l'ai pas vue, mais je pense qu'elle n'est pas bonne. On va voir. Eh bien, c'est, vous avez vu, elle n'est pas bonne du tout. C'est la faux. Voilà, la faux, c'est que ça va couper. Ça va couper dur. Ça veut dire que ça va couper dur. Alors, attention. Enfin, ce n'est pas que ça va couper dur. C'est qu'il veut un peu révolutionner l'éducation nationale. Et du coup, il veut changer des choses. Voilà. Et il va vouloir faire beaucoup. C'était l'ancien porte-parole du gouvernement, si je ne dis pas de bêtises. Et donc maintenant, eh bien, porte-parole de l'éducation nationale. Voilà. Du coup, il n'est pas là pour faire figuration. Voilà. D'accord? Il va vouloir faire du changement. Malheureusement. Non, ou heureusement. Voilà. Allez. On en est où? Ça, j'ai fait celui-là, j'ai fait celui-là. Celui-là, j'ai fait, j'ai pas fait le vert et j'ai pas fait le. Allez, on va finir par le vert. Allez, rapidement, donc on a vu, hein, c'est un peu chaud patate tout ça. Maintenant, à tout niveau ou pas? Allez, encore, vous aimez bien les tirages? Eh bien, je vous en fais plein, moi. Moi, je suis là pour ça. Je bois un petit coup de citronnade. Oh, cette descente d'enfer! Quelle descente! Du coup, à tout niveau ou pas? Tout niveau, c'est, vous savez, les cycles. Bon, ben, faire grève en, comment on dit là, où il y a les tout petits, c'est pas trop facile. Mais après, primaire, tout ça, lycée, université, tout ça, comment ça va se passer? À tout niveau ou pas? On va voir un peu ce qu'ils nous disent de là-haut. Tiens, demande de l'aide. Ouh, demande de l'aide. Ça veut dire qu'il y a moins d'aide apportée à tout niveau. Ah, et oui, il y a une carte. Parce que c'est, on me le dit de là-haut, donc je vous le dis. Demande de l'aide, c'est que c'est pas facile la rentrée, hein. D'ailleurs, beaucoup, pas facile de trouver un logement, pas facile de. Voilà, en tout cas, généralement, en général, eh bien, il faut demander de l'aide. Première indication, à tout niveau. Poursuis tes rêves. Poursuis tes rêves, c'est un message pour tout le monde, pour tous les jeunes, l'éducation nationale, très important, pour tous les professeurs qui font bien leur métier. Eh bien, c'est qu'il faut poursuivre ça. C'est très, très important pour la société future. Si on lâche ce niveau-là, l'éducation nationale, eh bien, le futur ne sera pas beau, encore pire qu'aujourd'hui. D'accord? Donc, il faut vraiment poursuivre ses rêves. D'accord? Vous avez tous un rôle à jouer, même nous, les parents, mais tout le monde a un rôle à jouer. Donc, c'est important. Ceux qui font les études, lycéens, universitaires et plus, c'est important. Tout ce que vous faites, vous devez le faire avec Dieu. Le cœur, il y a l'argent, mais le cœur est important pour changer la société de demain. Voilà, regardez, je vais vous montrer un peu. Donc, vous avez vu, hein, changer la société de demain, c'était quoi? Poursuis tes rêves, voilà. Eh bien, ayez de l'empathie. On devrait apprendre ça un peu à l'école. J'ai vu que c'est en Suède, je crois, dans les pays nordiques. Eh bien, pas vers la Corse, hein, plus au nord. Eh bien, ils apprennent l'empathie. Peut-être que ça serait bien. Voilà. Au lieu de faire des cours d'éducation de plein de choses, qu'il n'y a pas lieu de faire, on ferait mieux de prendre des cours d'éducation d'empathie. Ah, moi, je trouve ça pas mal. Tiens, je lance un appel à notre ministre. Des cours d'empathie, ça serait pas mal, Gabriel, si tu m'entends, Gabriel. Allez, dernier message, c'est quoi? Affirmation. Ah, j'ai eu du mal à le dire. Affirmation encore avec des enfants. Attention, on essaye, l'affirmation montre qu'on essaye de modeler un peu la société, hein, comme ils veulent le faire. Et donc, il va falloir s'affirmer à tout niveau. D'accord? Vous avez le droit, les lycéens, vous avez le droit, les universités. Comment on dit? Ceux qui sont à l'université, ça sera plus rapide. Vous avez le droit un peu de ne pas suivre ce qu'on vous dit. Et
Voilà, vous êtes pas, on n'est pas tous des robots, d'accord? Un petit message de là-haut. Et dernier message aussi, reconnecte-toi à la nature. Voilà, on n'est pas tous des robots. Reconnectez-vous à la nature. La nature, c'est quoi? C'est pas l'argent. La nature, c'est quoi? C'est l'amour. La nature, c'est l'amour universitaire. Voilà. Donc, tous ceux qui sont à l'université, les universiciens, universiticiennes, je ne sais pas si ça se dit comme ça, les universitariens, les universitariennes, ah bah, vous voulez des mots, moi, je peux, on peut faire le dictionnaire, on peut faire le dico, Friedrichs en trait médium, hein, universitarien, universitarienne. Allez, bon, vous avez vu, c'est quand même pas très gai tout ça. C'est pas très très jojo jojo. Eh bien, il faut faire avec. Il faut faire avec, il faut positiver et se serrer les coudes. On finit avec le verre. On finit avec le verre. Donc, c'était le Flash Info numéro 22. Je l'ai fait avec bienveillance, avec, vous me connaissez, avec positivité. Je suis là pour vous donner de la positivité tout le temps. En vidéo ou en consultation privée, je cherche ce que je vais dire. Je suis toujours là pour vous aider, pour vous amener vers le positif, pour vous sortir de là où vous êtes. D'accord? C'est très important. N'oubliez pas, contactez-moi. Très important. Si vous êtes bloqué, allez-y. N'ayez pas peur. J'ai encore mangé personne et vous verrez que vous ne serez pas déçus. À 99,99, 99, 99, 99. Il y a toujours un petit 0,00,0,1. Où ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que c'est le chemin de vie qui est comme ça. Et il faut s'auto-modifier, s'auto-changer, s'auto-affirmer, s'auto-pousser, se donner un coup de pied aux fesses pour avancer. Voilà, faut pas attendre que Fred Dulac. Ça commence par vous d'abord. D'accord? Voilà. Quand rien n'avance, quand rien ne fonctionne, il faut se donner un coup de pied au derrière, en parlant poliment. Et après, vous m'appelez. Et après, je vous aide. Allez, dernier message, éducation nationale. Alors, éducation nationale, la rentrée est chaud patate, on l'a vu tout le long. Ça va être compliqué avec des blocages. Là-haut, les anges les guident. Un dernier message pour tout le monde. Pour vous, pour moi, pour vos enfants, pour vous, étudiants, pour vous, les grands-parents, vous, les arrière-grands-parents, vous, les cousins, les oncles. Je ne vais pas tout faire. Pour les animaux aussi, parce qu'ils vont rester un peu, ils vont être tranquilles sans les enfants à la maison. Ça va faire du bien à tout le monde, même sauf aux professeurs. Bon courage les professeurs. Monsieur le professeur. Allez. Alors, sans nouvelles. Voilà, sans nouvelles. Tiens, bizarre, sans nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire cette carte? On commence première carte sans nouvelles. Je comprends le message. Sans nouvelles, ça veut dire qu'il faut justement pas rester sans nouvelles. Surveiller. Identifier. Mettez la pression, affirmez-vous les parents, ne suivez pas, message de là-haut, d'accord? Message aussi pour notre ministre, sans nouvelles, ne pas trop changer, il y a une base qui est là, il ne faut pas trop changer, pas trop évoluer quand même, il faut y aller doucement, 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 sinon il y en a qui ne vont pas être contents, d'accord? Voilà, deuxième message, la cabane, c'est ça? La cabane du pêcheur, la cabane du pêcheur. Dans la cabane, ici, ça montre un peu la maison. Alors, il y a le rôle de l'éducation nationale, de l'école, et il y a le rôle de la maison, la cabane. Bon, moi, il y en a très peu qui habitent dans une cabane, mais la cabane, c'est quand même la maison. Le rôle des parents et de la maison est très important. D'accord? Ne laissez pas faire. Je vous le répète, le futur, la future. Société de demain, c'est celle d'aujourd'hui, des jeunes. Donc il faut surveiller ça. On a tous un rôle à jouer. Il ne faut pas dormir sur les. Comment on dit? Il ne faut pas s'endormir dans nos. S'endormir sur nos oreillers. Non, s'endormir sur. S'endormir sur le laurier. Ah, tiens, j'en ai là du laurier, ça tombe bien. Tiens, vous avez vu? Alors quand vous n'êtes pas bien, quand vous n'êtes pas bien, eh bien, vous mettez un peu de laurier comme ça. Hop. Voilà. Et vous verrez, vous allez être mieux. Eh oui, il ne faut pas s'endormir sur le laurier. Voilà. D'accord? Surveillez. Troisième, jugement. Attention, ne pas ne, c'est un peu les mêmes messages encore. Hein. Ne pas rester seul.
Sinon, vous allez vous faire juger. Ne pas trop juger les autres aussi. Former des micro-sociétés pour arriver à contrer un peu tout ça. D'accord? Vous n'êtes pas seul. Le parent d'à côté pense la même chose que vous. Voilà. Il ne faut pas souffler sur les bougies, mais quand même, j'avais envie. Voilà. Et donc, si tout le monde fait ça, j'éteins les bougies parce que ça coûte cher. Là, ce n'est pas l'électricité, mais c'est des bougies, ça coûte cher. Et du coup, l'arc-en-ciel. Ben voilà, on va finir sur cette carte. Regardez, elle est pas mal. Elle est très bien. Moi, ça me plaît. L'arc-en-ciel. Bon, l'arc-en-ciel, ça peut être bien et pas bien. Pour certains, vous lisez, je suis sûr qu'il y en a qui ont compris le message dans mes pensées. Rester groupir, c'est important. Même si c'est chaud patate, quand il fait chaud, on se serre les coudes. D'accord? C'est le message final. Demain sera meilleur que si tout le monde se serre les coudes. Faites attention, des fois, l'arc-en-ciel, ce n'est pas des bonnes couleurs pour tout. Voilà. Le changement de société est bien à partir du moment où on est tous bien. Voilà. Ce n'est pas un petit groupe dans le grand groupe. Ce n'est pas une petite société, une petite micro-société qui va changer la société entière. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, message final. Il est beau le message final. Allez, c'était le. On va tirer une dernière carte pour tout le monde. C'était le Flash Info numéro 22 sur l'éducation nationale. Eh bien, je vous souhaite à tous et toutes une bonne fin de vacances des 2 semaines qui restent. Il n'y a pas eu trop de vacances pour moi. Il y a eu plein de choses qui s'est passé, mais ça va. On remonte la pente. Voilà. Eh bien, je vous donne rendez-vous jeudi sur l'autre réseau social, samedi sur l'autre réseau social, et peut-être une autre vidéo qui arrive. Mais en tout cas, je suis toujours là pour vous, pour les consultations privées si besoin. Voyance, médiumnité, rituel, déblocage de situation, magnétisme. De plus en plus, si vous n'êtes pas bien, allez voir votre médecin, allez voir les professionnels de santé, et vous faites un peu après. Après, vous faites un peu appel à moi et vous verrez que ça fonctionne très bien. Et de plus en plus, purification des lieux d'habitation. Alors ça, c'est quelque chose. J'ai du programme là-dessus. Je vous en dirai plus tard. En tout cas, c'est très important. Quand rien n'avance chez vous, c'est que la purification du lieu d'habitation et de vous-même doit se faire. Contactez-moi près de l'113 médium. Allez, on va mettre la musique. Avant tout, une dernière carte. La dernière carte, c'est celle-là. Pardon, ça c'est la citronnade. Allez. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. On se dit à très bientôt. Je remets un peu de ça. Voilà, comme ça on est bien. OK. Je vous souhaite à tous, elle à l'envers, elle à l'endroit, elle à l'endroit. Voilà, comme on dit. Eh bien, bonne fête, bonne fin de vacances et à bientôt avec Fred Dulac. Ciao, ciao. Je vous embrasse tous. Ciao. PPA, pensée positive, attitude. Ciao, ciao. Et c'était quoi la carte? L'ombre de Peter. Ouh, l'ombre de Peter. On remettra la musique après, parce que c'est important. L'ombre de Peter. Une carte spéciale, ça. Regardez, elle est spéciale. Je vous la fais voir. L'ombre de Peter, c'est qu'il faut faire attention. Vous savez, c'est comme dans le. Vous vous rappelez, pour ceux qui sont un peu plus anciens, même tout le monde connaît, Lucky Luke. Vous vous rappelez les bandes dessinées Lucky Luke, il y avait toujours son ombre à Lucky Luke qui n'était pas la même chose que lui. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Vous me direz en commentaire aussi. Eh bien, c'est pareil. Méfiez-vous. Ce n'est pas parce qu'on vous fait un grand sourire que l'ombre derrière est pareille. Vous comprenez ce que je veux dire? Méfiez-vous, dernier message. Méfiez-vous. Ayez les yeux et les oreilles grandes ouvertes. Allez, ciao à tutti. Arrivederci. Ciao. Ciao.